Et bonjour, scrappeur de France de tout pays. Bon, comment allez-vous? J'espère que vous aurez passé un bon week-end. Voilà, bon, là, aujourd'hui où je vous le filme, on est le 1er septembre. Eh ben oui, ça y est. Eh oui, demain, c'est. Bon, bien fait, mon bref. Quand vous verrez la vidéo, ce sera au mois d'octobre. Alors, ce sera le. Oh, purée. Ouais. Ah, ouais. Ah, ah ben oui, bien sûr, ce sera le mois d'octobre, quoi, voilà, donc ce sera même plus près des vacances de Toussaint que, voilà, bon, bref, hein, voilà, bon, je vais vous monter, vous descendre, enfin, vous devez prendre l'ascenseur, et puis voilà, et puis on va faire à la lettre X, ah oui. On était resté sur le W. Mais ça, c'est trop puissant, là. Alors, où c'est trop puissant, où ça n'est pas assez. Là, je t'en prends plein la figure pour pas en rond. Ah, là. Peut-être que là, ce sera mieux. Ouais, enfin, bon, bref, faut le dire vite. Voilà. Le watt. L'unité de mesure électrique. Une unité de mesure électrique. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des ampoules. Hein. Ouais, parce que moi j'ai une tête d'ampoule. Oui, mais non, ça c'est clair, par moment. Mais enfin bon, c'est pas grave. Bon, allez, hop, on va la faire. Ah là. On va monter un peu. Mais on peut pas monter plus. Ouais, bon, vous voyez? Ouais. Pourquoi on peut pas monter plus? Parce que tu es au maximum, tu es en douille. Ouais, non, mais faut bien que je m'engueule un peu. Voilà, alors, j'ai préparé mon papier. Maintenant, je vais coller mon papier de fond. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Si, il est là. Ouais, bon, mais oui, j'ai pris du violet. Hey, oh, hein? Ça ira très bien. Bon, pour une fois, je pense avoir sorti tout mon matériel. Celui-là, non, toi, tu es pour le gros œuvre. Ça, c'est pour les fines œuvres. Voilà. Bah oui, bah, chaque chose a son truc. Hein? Voilà. Bon, allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Bon, je sais pas le temps qu'il fera quand vous verrez cette vidéo. Bon, j'espère qu'on profitera encore du beau temps. Moi, je sais que j'ai chaud encore. Ben, je vous dis, on est le 1er septembre. Hein? Alors, fallait que je m'occupe. Ben, nous, même qu'on soit une dimanche, sur le 1er septembre, la piscine elle est ouverte du 1er juillet au 31 août, et puis ils n'ont pas risqué de l'ouvrir aujourd'hui. Non, ça te fait un calme. Oh, je suis pas habituée, moi, là. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de. Faut pas qu'il y ait le souk non plus, mais bon. Un peu d'animation, ça fait du bien. Bon, allez, je vais essayer de faire autrement, là, pour une fois. Bon, ça, c'est. Ça marche, l'allure. Oui, j'ai pris un papier, comme ça vous allez comprendre pourquoi. Je vous dis pas le mot de suite. On va voir. Oui, non, parce que là, les mots. Ben, après celle-là, il m'en restera encore deux. Ça va être des. C'est vraiment des choses un peu. Je sais pas où c'est que je suis allé les chercher. Mais ça m'est venu comme ça. Et voilà, bon, j'aime bien l'originalité. Je sais que tu es original. Alors, allez, hop. Alors, ce qui me fait suer, c'est que ça va être bientôt fini, le défi. Et puis, ça va me manquer, ça. Quoique bon, comme je vous dis, on est au 1er septembre et là il faut que je m'organise là ici, enfin, pour me descendre des caisses qui se trouvent dans la pièce où je dans la chambre, hein, parce que moi bon, j'ai deux chambres, hein. On va pas se leurrer. Donc voilà. Donc, alors maintenant je vais coller un sticker. Quand je vais coller le sticker, qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors, un sticker. Un sticker transparent. Déjà, je vais le coller par là.
Ouais, ça a un rapport avec la vigne. Voilà. C'est un rapport avec la vigne. Certains connaissent, certainement. Moi, je ne connaissais pas. Honnêtement, je ne connaissais pas. Alors, là, parce que là, je vais mettre ma lettre qui est... Elle n'est pas prête, mais elle n'est pas loin. Qui va venir ici. Il faut que je vois un peu... Ouais, c'est... Alors, je vais me coller ça. Et ma lettre... Ouais, de toute façon, la hauteur, c'est la même. Hein. Alors, on s'en fout. Elle va venir par là. Je peux le descendre encore un peu. Voilà. Bon, on va le mettre à peu près par là. Allez, on va coller ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, hein? Ah, je suis sûre que vous commencez à vous poser des questions là. Et j'étais même loin de penser. Que pourtant, hein, on est dans une région. Enfin. Une région peut-être pas trop ici, mais voilà. Alors ensuite, je vais faire ça. Il va y avoir un autre sticker à coller. Et je le collerai qu'un dernier. C'est comme ça, en même temps, je vous donnerai le mot. Et si je veux. Ça pourrait être une énigme. Mais bon. Ce serait le dernier, bon. Quoique le dernier, il va pas être. Ah non, je dis rien parce que je ferme mon clap parce que je vais encore me vendre à la mèche. Mais je me connais. C'est comme ça, quand j'ai des drôles, c'est pareil. Quand tu me dis. Surtout, tu le dis pas, papa, hein. À tout ce qu'il fallait pas faire. Et surtout, ce qu'il faut jamais dire à un gosse. Je fais pas. Ça me rappelle la vidéo que j'ai regardée à manger à midi de Jenny où elle parlait de son parcours. Et alors, oh, je suis vraiment contente pour elle. Elle est ressortie enchantée là de son. Mais franchement, oh, c'est dommage bon, qu'elle ait coupé qu'elle ait désactivé les commentaires parce que c'est alors c'est quelqu'un qui. Pff, déjà grâce à elle et puis alors elles sont un groupe de trois là toutes les trois elles m'ont fait découvrir bon, disons que je l'avais un peu redécouvert hein, la lecture mais elle a une façon de s'exprimer de dire les choses de oh c'est bon, c'est un livre ouvert hein. Excusez-moi mais bon je peux pas dire ça c'est vraiment puis alors c'est dit d'une façon. Moi, je ne sais pas mieux, mais alors elle non plus. Oh là là. Mais autant elle est touchante, autant elle est. Ah bon, quand même. Ben oui, non, mais c'est. Je ne jette rien. J'utilise jusqu'au. Si je peux, jusqu'au dernier carat. Hein. Oui, non, mais là, on n'est pas. On n'est pas à la ruée vers l'or, hein. Voilà, je vais la coller comme ça, histoire de faire écailler un peu le monde. Je vais la coller comme ça. Ensuite, je voulais rajouter ça. Elle nous fait caguer, c'est un X, et elle nous fout de la vigne, et les roses. Eh ben oui. Elle est pas chiante, nana. Tout ce que j'ai envie, dès que je peux, je fais. Voilà. J'ai envie de mettre ça là, ici. Celui-là ici. Ouais, je vais prendre celui-là. Parce que j'en ai pas, moi, des comme ça. Oh, vous l'aurez certainement vu avant. Si quelquefois, la contrariété... Enfin, la contrariété, pas vraiment la... Pas la contrariété, la... C'est vrai que je prends les choses à cœur. Il y a des choses que voilà comme je dis toujours faut faire attention à ce qu'on dit et c'est ce qu'on m'a appris
Mais il y a des choses qui m'ont touchée et quelque part. Voilà, bon, enfin, bon, bref, on va pas revenir là-dessus. C'est voilà, c'est le passé, il y a quelques semaines de cela. Enfin, pas pour au moment où je tourne, mais j'aurais eu tendance quelquefois à me jeter plus sur la nourriture. Eh bien, j'avais dit que je ferais plus à part pour Noël. Bon, il y en a dedans. Mais j'ai craqué ma. J'ai un peu craqué ma. On pourrait dire. Bon, je ne vais pas dire. Si, un peu même, je dirais beaucoup. Vous demandez pourquoi je mets des roses là. Je vous expliquerai après. Voilà. Donc, maintenant, je vais coller le dernier sticker. Puis je vais voir si après, si je rajoute des choses. Donc, mince, j'aurais pu te laisser coucher, toi. Voilà. Ah, ah. J'ai dit, tiens, y a un truc qui cloche, ouais. Ah, j'essaye d'utiliser le tout, hein. Malheureusement, il y a des choses, comme je vous le dis, j'ai du mal à les. Que vous m'avez envoyé. Je les ai toujours, hein. Mais j'ai du mal, j'arrive pas à. Et pourtant, j'en ai moi aussi, hein. Des machins. Mais. Tu vas cracher, ouais. Mais ça vient pas. L'inspiration avec ça ne vient pas. C'est pas que je veux pas les utiliser, j'attends que ça. Mais l'inspiration ne vient pas. Et ça m'énerve parce que je voudrais vous montrer que bon, ben, je les ai, je les utilise, je voudrais les utiliser, quoi. C'est pour ça, surtout, ne m'envoyez plus rien. Hein. Plus de découpes que. De découpes, surtout les découpes, parce que j'en ai moi aussi des trucs. Non, là, je voulais le mettre là parce que je voulais cacher le derrière. Oui. Des vignes, du vin, du fromage et du raisin. Ah là là. Non. On va prendre du sopalin. Ça bave un petit peu. Bon, alors. Vous connaissez. Bon, nous, on en a en France. Bon, c'est sûr que le vin, oui, bon, ben, on en a en France. Mais celui-là, je ne suis pas allé le chercher en France. Enfin, les stickers, si. Enfin, certains. Les autres, ils ne viennent pas de France, non. Donc, de toute façon, même ce que je suis allé chercher. Oui, bon, enfin, bon, bref. Là où je suis allé chercher, il arrive de toute façon d'ailleurs. Oui, on en a en France. Mais, il y a des pays frontaliers qui ont aussi du vin. Voilà, c'est du vin. Eh bien, c'est le vin de Xerez, en Espagne. Attendez que je lise ce que j'ai écrit. Récolté à Xerez, en Andalousie. L'Andalousie, c'est l'Espagne. C'est pour ça que j'ai mis derrière en papier, quoi. Voilà, donc, c'est simplement par rapport au folklore. Le flamenco, tout ça, c'est voilà, c'est fait avec. Elles ont des robes à quoi. Eh bien oui, hein. Voilà. Donc, est-ce que je vais. Et les rosiers que j'ai mis là au pied des vignes, là, au pied des rames de vignes, pas au pied des vignes, au pied du rang de vignes, pour les anciennes, il y en a des jeunes qui doivent connaître aussi, hein. Mais on mettait des rosiers à chaque. Chaque bout de rang de vigne pour prévenir de la maladie, c'est-à-dire pour prévenir du mildiou. Le mildiou, c'est la maladie de la vigne. Et quand les rosiers, on en voit plus beau, c'est rare si on en voit maintenant. Et quand le rosier était attaqué, on savait qu'il fallait traiter la vigne avant que la maladie n'attaque la vigne et le raisin. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis. Bon, j'ai mis des roses rouges, oui. Bon, mais. Oui, je suis décidé. J'avais envie. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être en rajouter là aussi, quand même.
Voyons celui-là, je vais envie de le mettre, mais ouais, ça peut faire une ou comme ça plutôt. Ouais, on va le mettre comme ça. Oh, c'est juste pour amener un peu de. Alors, la couleur, oui, j'ai choisi du violet parce que j'ai testé plusieurs couleurs avant. Et les roses, enfin, moi, pour ceux que j'en ai connus, les rosiers, ils étaient rouges. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres couleurs ou quoi que ce soit. Dans l'ancien, maintenant, ils ont d'autres façons de. Et donc, on traitait la vigne quand les rosiers, ils étaient. Voilà. Et oui, bon, je reviens à la couleur des rosiers, oui. Les rosiers, je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs de rosiers ou comme ça. Possible. Mais moi, dans mon enfance, je n'ai connu que le rosier rouge, quoi. Au pied des vignes. Et pas des petits rosiers de chez Lidl, hein. Le rosier, rosier, hein. Vraiment, hein. Voilà. Ça fait une petite ambiance rosée. C'est fait, mais celui-là. Ouais, parce que là, il y avait. Bon, ouais. Ah, au fait! Ah, je sais plus comment tu t'appelles. C'est. Regarde. C'est un morceau de coquelicot qu'il y a là. Non. C'est pas méchant, rassure-toi. Mais ça me fait rire. Ouais, c'est bien, mais encore des conclusions. Et puis c'est bien parce que quand vous verrez la vidéo, ce sera passé l'histoire. Mais au moment, j'y penserai plus. Qu'est-ce que je pourrais mettre et rajouter? Faire un bouquet. Et faire un bouquet, mais avec des feuilles, là où il y a des feuilles. Ouais, je vais prendre celui-là aussi. Oh, dans la commande. Vous verrez. Hein. Vous verrez. Ça, c'est l'inconvénient de tourner les trucs à l'avance. Je ne sais pas me taire. Et sur des trucs, je ne sais pas me taire. Ça, c'est. Il faut toujours que je vende plutôt la mèche. Oh, bah, attention, c'est sponsorisé par ma carte bleue. Hein. Faut pas. Confondre vitesse et précipitation. Ouais! Émesse! Tu me fais. Espèce de conifle, tu me fais faire une bêtise! Là! Ouais, c'est pas mal! Oh, j'aime bien! Moi, j'aime bien! Moi, j'aime bien! Voilà, entre ce que moi j'aime et ce que vous, vous aimez. Déjà, au départ, il faut que nous, on l'aime! Qu'on aime ce qu'on fait. Bon, enfin, moi, c'est mon principe. Après, tout le monde ne le voit pas pareil. On peut pas plaire, on peut nos idées, mais nos idées ne peuvent pas systématiquement plaire, mais nos idées peuvent peut-être apporter. On va mettre une part là. Punaise, mais donc. Paris, je sais pas, mais où tu les as eus, mais alors. Je me fais suer. Il va falloir aussi que j'attaque des trucs dans l'appartement parce que ça, j'ai pas encore. Je suis un peu à la bourre. Parce qu'après, pour que ça sèche, ça va pas. Mais il est un peu plus clair, c'est pour ça. Bon, est-ce que j'en mets un là? Ouais, j'ai ça, j'ai ça, ça. Il y aurait ça. Non. Non. Non, 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 non. Je pense pas que je vais rajouter parce que même si je rajoute, ça ferait. Ouf. Donc, puis je veux qu'on voit ça. C'est juste pour apporter un peu de. Bien que celle-là, on ne la voyait pas beaucoup. Ouais, c'est. Bon, mais c'est bon. Voilà. Allez, hop. Voilà. Je pense que je vais la laisser comme ça.
Ouais, alors les stickers, bien sûr, il y a la montagne derrière, hein, mais j'ai trouvé dans mes stickers une image où il y avait la ville, ça je savais que j'en avais, mais un qui se rapportait avec le chemin, un peu comme ils ont chez eux, alors que c'est pas, y a pas l'herbe sur le milieu du chemin, là, comme ça, mais c'est des chemins gravillonnés. Et bon, c'est sûr qu'en Espagne, les maisons, elles ne sont pas comme ça. Alors, comme l'Espagne est quand même frontalière à la France, eh bien oui, il y en a les Pyrénées hein, qui nous séparaient. Voilà. Donc, j'ai essayé de. Alors, je ne vous dirai pas comment il est. Je sais qu'il y a du blanc, du rosé et du rouge parce que j'ai été sur internet pour voir, parce que j'ai pas été quand même, j'ai pas fait non plus mes trucs. Elle raconte des salades. Maintenant, si vous croyez que je vous raconte des salades, vous faites comme vous voulez. Hein. Enfin, c'est ce que vous voulez. Ça, c'est votre choix et vous avez votre libre arbitre. Voilà. C'est comme ça que je vais le dire. Voilà. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Ah ben, de toute façon, des unes aux autres, hein, si on regarde, voilà, je vous la montre, hein, la montre là, je vous la remontrerai plutôt après à l'air. Et si on regarde les unes aux autres, elles sont où c'est du clair, où c'est du foncé, où c'est du mitigé, où c'est du. J'essaye de varier, comme on dit, j'essaye de varier les plaisirs, comme là, c'était du rouge, c'était plus du rouge, c'était. Voilà, de toute façon, vous les aurez vus. Voilà. Et bien voilà, on a fait la lettre X. Alors attendez, je me la mets en place et puis je vais vous la montrer. Et après, je vais me préparer pour le Y. Voilà. Et comme il n'y en a plus que deux après à faire, et bien oui, Y. Donc, X, Y. Oui, Y, Z. Punaise. Ça fume, hein? Oula! Oulala! C'est surtout que c'est le dernier qui m'a posé le plus de soucis. Voilà, pour trouver un mot pour le dernier. Voilà. Ouais, vous me voyez à moitié. Bon, ça, c'est pas ma truc, je sais que vous voulez voir. C'est ce que je fais. Voilà. Hop. Oh, punaise. Là. On voit. Ah, mais ça m'énerve qu'on ne puisse pas le voir. Hein. Me casse les roubignons, là. Je vais éteindre. Voilà. Je vais éteindre. Ben là, vous ne le voyez pas. Non plus. Enfin, vous voyez la vigne, vous voyez les roses. Vous voyez le thym. Ah si, là peut-être. Là peut-être. Et donc les roses, comme je vous ai dit, que j'ai mis au pied des vignes pour faire voir que, autrefois, ben, ça permettait de savoir pour la maladie. Voilà. Quand est-ce qu'il fallait traiter? Quand les feuilles commençaient à être touchées. Et par le mildiou, parce que moi c'est la seule maladie de la vigne que je connais. Hein. Je suis fille de paysan, oui, mais moi je suis née en ville. Je suis née en ville et j'habitais toujours en ville. J'étais en vacances à la campagne, mais voilà. Mais c'était simplement pour. Voilà, moi je vous apporte ma connaissance à moi, mais il y en a qui en connaissent beaucoup plus sur la question. Ouais. Vous avez les oenologues. Alors là, ces personnes-là, alors les œnologues, ce sont des personnes qui goûtent, qui sentent le vin, qui savent, enfin, qui donnent des notes et qui trouvent des annotations dans le vin. Alors ça, j'ai appris à le faire en goûtant le vin, à trouver le goût fruité, le goût d'un fruit, que ce soit ou du cassis ou de la framboise, s'il est plus boisé, s'il est plus. Mais bon, je ne bois pas. Je goûte du bout des lèvres et puis parce que même une simple petite, mais alors une guitcherole, on va dire, une petite, mais alors vraiment petite gorgée, l'alcool aussitôt, je le sais, je sens passer. Bon, c'est bon, c'est pas la peine que je souffre aussitôt parce que c'est moi je suis positive, hein. Ça c'est clair. Hein. Alors bon et puis alors après je vais faire que rire. Bon, ça fait pas de mal de rire. Ça conserve. Il paraît qu'il faut rire 10 minutes par jour pour être en bonne santé. Bon. Alors pour l'instant, je peux me plaindre. Ça m'arrive de rire, ouais. Et même pour moi maintenant, hein. Mais enfin bon, on rit.
On rit. Et puis bon, pour moi, c'est plus facile de faire à l'indouille derrière la caméra. Au moins, comme ça, j'ai pas besoin d'écouter les... Pff, je peux pas dire les conneries des autres. Hein. C'est pas bien de dire ça, mais écoutez de... Les petits soucis des autres. Des fois, bon, ça, je sais que ça fait du bien aux personnes. Et je suis comme ça. Mais je suis restée très, très, très longtemps à écouter les autres. Et les soucis des autres, à les garder pour moi. C'est-à-dire de ne pas les écouter, mais je ne les évacuais pas. Alors, j'accumulais ceux des autres et les miens en plus. Donc, ça, voilà. Et ça, j'ai appris avec une psychologue qui m'a dit, mais oui, mais faut être égoïste dans la vie. C'est pas moi. C'est pas moi. Alors j'arrive à évacuer, j'écoute, je fais, je... et puis voilà, et puis c'est tout. Bon, écoutez, mes discours de là, voilà, on se retrouve donc, eh bien, on se retrouve pour, ben, si je continue toujours, et pas Jebdo, elle continuera. Je sais pas, à l'heure actuelle où je filme. Je suis en train de voir qu'il y en a un qui est en train de se faire la malle, là, qui est en train de se décoller. Ah non! C'est le papier qui a voilé. Cherchez pas docteur, c'est la tête. Bon. Et ouais, bon, vous verrez, hein, de toute façon, là, on sera donc la deuxième semaine d'octobre, quand vous verrez cette vidéo. Ah, que coucou! Et. Ah, t'as eu peur, hein? Et puis on verra, je ne sais rien, c'est ce que je vais faire d'ici là. Et pour l'instant, on n'est que le 1er septembre aujourd'hui. Donc voilà, bon, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins et à l'échat!